Eh ben aujourd'hui, c'est la finale départementale du festival Pitch U13 pour les jeunes U13, garçons et filles du district de la Manche, avec au final une qualification pour la phase régionale pour 3 équipes masculines et 3 équipes féminines qui peuvent déboucher à terme sur une finale nationale. C'est une grosse organisation et puis c'est surtout le début du retour aux événements. Donc il a fallu remettre toute la machine en route. Et pour ma part, en plus, c'était ma première, donc il a vraiment fallu repartir de zéro. Et pour l'instant, ça se passe bien. La réussite d'une journée pareille, c'est l'association déjà entre le district et le club recevant, le CS 40 ans. On a toutes les deux amené nos équipes, le district pour la partie sportive et le CS 40 ans pour tout le reste, c'est-à-dire la restauration et la mise en place de l'infrastructure. On accueille environ 500 enfants. Donc 16 pour le challenge Festival Pitch U13 national, 8 pour le challenge Pitch U13 féminin et 8 pour le challenge départemental 2. C'est juste un plaisir de pouvoir à nouveau réorganiser des choses et se retrouver tout le monde du football autour des terrains. Et ça nous manquait vraiment beaucoup. Et c'est le début, c'est aujourd'hui le lancement des journées événementielles du district qui se dérouleront jusqu'à fin juin et la fête du football en famille. C'est important parce que sur cette catégorie U13, je dirais que c'est la première marche de la formation des jeunes joueurs. Et c'est là qu'on commence à voir poindre les futurs talents. C'est là que les clubs professionnels commencent à s'intéresser très sérieusement à regarder quels sont les meilleurs joueurs. Et c'est pas un hasard si on retrouve sur ces finales-là les meilleures équipes du district. Juste remercier toute l'équipe du CS 40 ans et autour de son président Hervé Bidoyen qui nous ont accueillis aujourd'hui pour ces finales qui étaient déjà prévues depuis 2 ans puisque malheureusement on n'a pas pu les faire au cours de ces 2 dernières années. Donc un grand merci à toute l'équipe du club qui a organisé cette journée en collaboration avec le district de main de maître. Donc voilà, encore une fois, merci à eux. À bientôt sur tevie.tv.